Cupcake, c'est moi, on se retrouve, on est le lundi matin, on est le 31 août et du coup je vous prends avec moi pour une nouvelle semaine de vlog. Il est 9h20, je me suis levée à 8h40, tout le monde dort encore, j'ai passé une nuit horrible, voilà, j'ai très très mal dormi, Doudou a fait que se retourner, me réveiller et tout, c'était vraiment l'enfer cette nuit. Donc là j'ai décidé de me lever, de descendre tranquillement. Je fais le montage de mon vlog de cette semaine que j'avais pas du tout commencé et qui doit être posté demain, donc du coup je fais ça là. Et je me suis fait un petit porridge comme ça avec du fruit de la passion, de la nocciolata et des graines de courge, un truc tout simple. Mais je me suis dit que c'était pas mal, ça allait me tenir au ventre et ça sera plutôt équilibré. Et en plus le porridge, il n'y a rien de plus automnal clairement. Le temps dehors, on dirait clairement qu'on est déjà en automne. Et moi ça me fait grave plaisir, du coup je vous emmène avec moi. Et... j'ai trop hâte, demain c'est la rentrée d'Orphée et surtout bah, l'automne arrive quoi. Bref, je fais mon montage et je vous emmène avec moi pour cette nouvelle semaine. J'espère que ça vous plaira, je vous dis à tout à l'heure. Recoucou, je vous reprends, il est 20h, les enfants sont en train de manger leur dessert. Je leur ai mis Pat Patrouille parce qu'ils n'ont pas regardé la télé de la journée. Du coup j'ai fait mes tomates farcies, mes courgettes farcies, j'ai fait tout mon ménage, toute ma vaisselle, tout mon linge. J'ai préparé mes biscuits d'avance, désolée, je savais très bien que j'allais avoir un snap qui allait me répondre, enfin quelqu'un qui allait me répondre par snap. Mais je me suis dit au pire, ça vous changera pas de l'habitude, vous avez l'habitude que quand je parle je reçois des snaps, donc voilà. Bref, écoutez, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, je suis plutôt contente, ma journée était productive, j'ai fait mon montage aussi de mon vlog, il ne me reste plus qu'à mettre la musique et à le poster quoi. Du coup je ferai ça soit tout à l'heure, soit demain. Là je me pose un petit peu et le rouge à lèvres que j'ai mis aujourd'hui, il fait plus rouge à l'écran alors qu'il est orange, un peu orange. C'est le Georgette de chez Martine Cosmetics qui est très très beau et il a tenu toute la journée. Voilà, bref, je vous laisse là et je vous emmène avec moi encore un petit peu ce soir et tout. À toutes. Je vous reprends vite fait, Doudou a été faire des petites courses au Leclerc vraiment très très rapide, du coup je vais vous montrer ça tout de suite. Du coup il a repris un lot de couches taille 5 pour Thésée, un paquet de Kinder Pingui pour les enfants, un gros taboulé comme ça Pierre Martinet, j'ai entendu un bruit que j'aime bien, de la DSP, 3 paquets de gnocchi comme ça, des tuiles salées, donc ça c'est pour lui. Des tuiles épicées, je suppose que c'est pour moi. Il a pris 2 paquets de noix de cajou grillées et salées, ça c'est parce qu'il adore ça. Il a repris un jus de pomme également. Waouh, du PQ. Il y en a 2, l'autre est caché. Voilà, il a acheté beaucoup de PQ au cas où on avait besoin de beaucoup de PQ. C'est à cause du Covid. Oui, t'es con. des biscuits Eco Plus, j'en peux plus de lui depuis hier, il n'arrête pas de faire des commentaires dans tous mes vocaux ou mes vidéos. Derrière, on l'entend toujours dire des conneries. Et du pain, 2 paquets. C'est les pénuries. Je veux plus de pénuries. Ouais, ça va aller tranquille, ok. Bref, du coup, je vais ranger ça, puis je vous reprends après. Coucou les cupcakes, je vous reprends, on est le mardi matin. Du coup, là, je me suis habillée avec mon petit pull de chez Bershka, qui est trop trop mignon, que j'avais trouvé sur Vinted. Les enfants sont en train de petit déjeuner, il est 9h du matin, Orphée prend l'école que cet après-midi à 13h30. Là ils sont devant Choupi en train de manger un morceau de baguette,
avec un jus de fruits et deux petites piécettes en chocolat. Moi, je vais aller faire mon petit déj à moi, je vais me maquiller et je vais vous montrer du coup les tranches d'orange que j'ai fait sécher au four hier pour ma décoration automnale. On va aller voir ça tout de suite ensemble. Et voilà. Bon, du coup, ça donne ça. Je trouve ça vachement joli, les tranches d'orange comme ça. Et je vais aller mettre ça dans mon bol avec la cannelle et les pommes de pin. Ça va faire très joli. Re-coucou, je vous reprends, il est je sais pas quelle heure, il va être plus de 17h. Orphée est rentré de l'école, ils ont pris leur goûter, j'ai taisé dans les patouilles et là je suis en train de regarder une vidéo de Gaël Garcia Diaz et de faire du riz au lait vegan. Voilà, quoi de plus automnal qu'un bon riz au lait, et en plus c'est bien parce qu'on n'a plus vraiment de dessert dans le frigo et je me suis dit qu'un riz au lait ça serait super cool, j'ai envie de manger ça devant la télé ce soir. Donc voilà, je prépare ça, je vous montre tout ça au fur et à mesure comme d'hab. A tout. Re-coucou. Je vais faire une soupe aux petits marrons et aux carottes pour Paul. Donc là, je l'ai coupé en deux et il va falloir que j'enlève tout ça. Et ce sera son entrée. Et pour le plat, je vais nous faire de la courge spaghetti que j'avais prévu de couper en deux mais que j'ai un peu échoué. Donc voilà. Et en gros, je vais la faire cuire avec de l'huile sur la plaque de cuisson comme ça pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, je crois. Et après, on n'aura plus qu'à la retourner et à frotter avec notre fourchette et ça fera des espèces de petites spaghetti. Du coup, je vais faire une petite sauce pour aller avec, je pense. Ouais. Bref, c'est parti, je vais faire ça. Timelapse. Et voilà mes petits riz au lait, j'ai fait 5 petits pots et on a déjà un curieux qui a envie de goûter. Hep hep hep, tu mangeras le tien au dessert. Donc voilà. Bon, voilà, est-ce qu'on peut faire plus automnal qu'une papelle rousse, une soupe de potirons, de petits marrons et de carottes et du riz au lait? Je ne crois pas, surtout avec des bébés habillés en pull jaune moutarde et une maman jaune moutarde. Re-coucou, je vous reprends, il est 20h15, là je suis en train de regarder des vidéos de... Vincent Je, je sais pas comment on dit, Gue. C'est le copain de Romy Victory. Bref, vu que je vous en parle, je vous mettrai les deux chaînes en barre d'infos. Oh, papa, il fait ! Et voilà, et Toutou vient d'arriver. Et comme vous pouvez voir, je me suis changée parce qu'en fait, je compte aller à la salle de sport là. Du coup, je vais aller dire ça à Doudou. Et du coup, je vous laisse là. Je laisse les courges spaghetti à Doudou. Moi, j'ai très envie d'avocado toast, donc je vais me faire ça avec un peu de tofu fumé. Coucou les cupcakes, c'est moi. On se retrouve, on est le mercredi matin. Du coup, là, les enfants sont devant Disney+, je leur ai mis Cendrillon parce qu'ils l'ont jamais vu. Et le mercredi, ils ont le droit à un grand Disney. Moi, je suis en train de manger un petit riz au lait avec des petits fruits rouges congelés. Je me suis fait ça en petit déjeuner. Il est 10h30, voilà, je suis levée depuis 9h, mais j'avais la flemme de descendre et de prendre mon petit déj. J'ai commencé par ranger le placard de petit déjeuner de la cuisine, voilà. Voilà, programme du jour, je suis en train de bosser sur les idées vidéo que je peux tourner là. Je finis de faire ma liste de courses en regardant les recettes que j'ai envie de faire ce mois-ci, etc. pour pouvoir bien mettre tout sur la liste de courses et rien oublier.
et trouver une activité aux enfants et sûrement faire un gâteau du coup pour le goûter. Et voilà. Je vous emmène avec moi quoi qu'il arrive de toute façon. À toutes. Re-coucou, je vous reprends, il est midi et demi, je suis en train de faire cuire des pâtes ce midi, j'ai pas trop d'inspi. Je pense que des pâtes pour les enfants et pour moi ce sera très très bien. Doudou lui est pas là depuis ce matin tout simplement parce qu'aujourd'hui ses horaires étaient différents, il travaille toute la journée donc il a pris sa gamelle, je lui avais fait des tomates et des courgettes farcies, en plus la dernière fois j'en avais fait beaucoup vous aviez vu et du coup bah, il y en avait pour une gamelle complète pour aujourd'hui. Bref, là du coup je prépare le repas du midi sans grande inspiration totale en vrai et je suis en train de bosser sur mes idées vidéo du coup pour la chaîne sur le thème un peu automnal parce que j'adore ce thème et du coup je trouve ça super cool. Et voilà, et je viens de voir que chez Subway, ils ont sorti le sub poulet teriyaki en version vegan. Genre du voulet teriyaki quoi, du poulet vegan. Oh, j'ai trop envie d'aller manger Subway. Déjà ça fait je sais pas combien de temps que je dis à Amélie, j'ai envie de manger Subway et tout. Et là j'ai encore plus envie. Donc du coup, peut-être qu'on ira au Subway quand on va aller faire les courses, je sais pas. Putain, ces coupes de cheveux, c'est très approximatif. Hein. En fait, mes cheveux là, je les laisse repousser, mais ils font n'importe quoi. Et en fait, je sais pas si je laisse repousser que là, pour l'instant, et que je tombe encore, ou est-ce que je laisse tout repousser, je sais pas. Parce que l'année prochaine, je les laisserai sûrement tous repousser, mais là, j'ai envie de faire une crête, vous voyez, mais faut que je laisse encore pousser, donc on verra bien. Bref, on s'éloigne du sujet. Du coup, j'ai vu ça pour le Subway, et j'ai trop trop envie de tester. Et voilà, bref, du coup, demain, on va normalement se retrouver avec Millie, elle vient à la maison, et on va passer une journée à faire les courses et du shopping d'automne. Ça c'est trop bien. Du coup, bah, bien sûr, je vous montrerai, je ferai une vidéo haul de tout ce qu'on a acheté pour l'automne et une vidéo retour de course parce que ça, je sais que vous adorez ça et moi j'aime bien le faire donc du coup c'est cool. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'ai vu aussi tout à l'heure, je travaillais un peu du coup sur mes futures vidéos et tout et j'ai regardé un peu mes analytiques YouTube, etc. un peu pour voir où ça en était, les commentaires auxquels j'avais pas répondu, etc. Et j'ai vu, figurez-vous, que vous êtes pas mal à regarder mes vidéos et à pas être abonné ou quoi. Et du coup, bah, je tiens à vous dire que si vous avez envie de vous abonner, n'hésitez pas. Je sors du contenu assez régulièrement, même si je suis toujours en retard pour les posts parce que mon PC rame à mort. Voilà, je sors 2 vidéos par semaine, des fois 3 quand j'ai des vidéos bonus et que j'en ai travaillé beaucoup d'avance. Et voilà, c'est assez régulier, j'aime bien ce que je fais. Et en vous abonnant, en fait, vous m'aidez moi à ce que mon travail, en fait, serve à quelque chose. Enfin, soit un peu plus mis en avant et ça m'aide à développer la chaîne et à rencontrer, enfin à pouvoir parler avec plus d'autres gens, etc. Ça me fait beaucoup plaisir. Même rien qu'un petit j'aime ou un petit commentaire, c'est super cool et ça me plaît toujours. Donc je vous le dis jamais, mais n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire ou à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vais vous laisser, je vais finir de faire cuire les pâtes et je vais continuer à travailler sur mes idées vidéo. Je vais peut-être tourner une vidéo aujourd'hui d'ailleurs. Pardon, je viens de voir que Brandy, vous savez qui c'est de toute façon, mon meilleur ami, quoi. Je lui ai envoyé la photo du Subway Teriyaki, et là, le message que vous avez entendu, c'est lui qui me répond, qui me dit que lui aussi, il aimerait bien le goûter. Voilà. Bref, je vous laisse là, écoutez, et je vous dis à tout à l'heure. Je vous reprends, il est 19h. Là, je vais aller donner à manger aux enfants. J'ai fait tout mon linge, j'ai fait mes lessives à étendre, détendre et à mettre dans la machine la prochaine qui tournera cette nuit. J'ai fait 2 pages de bugeot aujourd'hui, très très automnale. Je ne sais plus si je les filmé là ou sinon je vais les refilmer là. De toute façon, je vous montrerai ça bien évidemment. Et là, du coup, je vais aller préparer le dîner également pour Paul et moi. Et voilà, je suis claquée, j'ai pas fait grand chose à part regarder des vidéos en toute honnêteté, mais ça m'a fait du bien de me poser et de prendre du temps un peu pour moi. Coucou les cupcakes, c'est moi, je vous reprends, on est le jeudi matin, et là vous pouvez voir j'ai mis ma wig Bordeaux, et je me suis habillée en pin-up, aujourd'hui j'avais envie. Voilà, du coup je fais un petit make-up rapide, ça faisait longtemps que j'étais pas maquillée. En essayant d'assortir pin-up et tout, donc c'est pas parfait. En plus là j'ai raccroché mes cheveux dans la mouche des cheveux. Bref, là j'attends, du coup il est 8h du matin, un truc comme ça, et Paul est avec Orphée pour le petit déjeuner, et moi je vais aller manger un petit truc et j'attends Millie pour aller aux courses. Voilà. À toutes.
Re-coucou, je vous reprends, il est 9h et je suis du coup avec Milly. Et on va aller faire du coup les courses. Et j'ai maquillé ça et tout. Là c'est ma tenue du matin. Et cet après-midi je vais sûrement me changer. Parce que bah... Aidez-moi, pitié. Voilà, voilà. J'ai mis mon petit serre-tête en velours là qui est trop beau. Je trouve ça trop kiki là comme ça. Bref, du coup là on va commencer par Noz et le marché frais. Et après Leclerc, ça c'est les courses du matin. Et cet après-midi, pour reprendre les mots de Milly, Dobby est libre. Nous allons faire tout ce qui est action et tout. On va vous faire un beau haul automnal. Après, du coup, ça va être trop trop cool. Voilà, voilà. Bref, je vous laisse là et on vous emmène avec nous pour une super journée entre copines. Là, on finit le marché frais et après, on va au Leclerc. On a quand même trouvé dans l'ensemble tout ce qu'il nous fallait en fruits et légumes. Là, je vais regarder dans les caisses, s'abîmer un peu et voilà. Ok, je vous reprends, on est en voiture, on crève de chaud. Je vous jure, moi j'ai super chaud là, en plus avec la wig et tout. Je dis ça, mais cet après-midi, je vais mettre une autre wig. Intelligence. Moi, je suis un pantalon. Voilà. Et moi, même rien que les barésies et tout, ça tient chaud. Et du coup, bref, là, je vais manger un petit croissant parce que j'avais pas pris mon petit déjeuner ce matin. Et on a fini du coup le marché frais. Franchement, je ne me suis pas tirée pour beaucoup cher. J'en ai pour genre 35€ alors que bah, j'ai pas mal de fruits et légumes. J'ai 7 kilos de tomates, les gars. Paul est bon faire de la sauce tomate, là, c'est moi qui vous le dis. Et du coup, on va au Leclerc finir les courses. Là, à mon avis, il y en aura pour beaucoup plus cher parce que c'est des grosses courses. Donc, il va y avoir tout ce qui est riz, pâtes et tout, et ça monte très vite. Sachant qu'en plus, je vais acheter sûrement les protège-slips hygiéniques lavables que j'ai vu. Donc, ça fait déjà 20 balles dans le quasi. Ouais, voilà. Bref, écoutez, on continue à vous emmener avec nous. Et là, c'est la partie la moins drôle de la journée, mais cet après-midi, on vloguera sûrement plus parce que bah, ça sera l'après-midi liberté entre nous. Oui. Il est midi et quart, à peu près. On est dans la voiture. On a fini toutes les grandes courses. Il faut nous applaudir, on n'a jamais été aussi rapide en prenant notre temps. Ouais, c'est vrai qu'on s'est pas spécialement pressé. Bah non, on papotait tranquille ou bilou comme ça là. On évitait un peu tous les connards des fins de rayon qui nous cassent les couilles. Et à part ça, ça va. À part ça, ça va très bien. Et j'espère que vous regardiez pas cette vidéo avec des enfants parce que bon voilà, enfin, vu que un petit peu des gros mots partout, c'est pas bien, faut pas les dire. Bref, ouais, aller chercher un petit Subway. Et après, on repasse au Noz pour récupérer les glaces parce que du coup, on s'était dit, enfin, Milly avait dit, mais Lola, on va pas prendre les glaces maintenant, elles vont fondre dans la voiture. Mais je t'en... Ah oui. Voilà, du coup on va prendre un petit Subway, comme ça on va goûter enfin le Subway dont je vous parlais hier, que j'ai vu là, s'ils l'ont pas par contre. Ah, tout cramé. Pas un jour je te crame ta famille. On va l'acheter des décos d'automne, par contre s'ils ont pas mes petits champignons. Oh là là, oh là. S'ils ont pas le Subway et pas les champignons, là c'est fini. Là c'est fini, c'est la fin des haricots. Bref, oh j'ai commencé à avoir chaud avec la robe longue, donc on va manger. Ou prendre à manger. Non, on se prend le temps de manger sur place ou on l'emmène? Ben non, on va pas manger sur place avec le froid et tout des courses. Oui, c'est vrai, voilà, elle a raison. On va emmener notre Subway. C'est à toi de ton cerveau, tu as un cerveau, utilise-le. J'ai pas besoin, je suis belle. Non, je rigole, c'est pas vrai. Bref, aussi tu es belle. Comme un pancake moisi, bref. Mais on va. Mais c'est quoi ça? Mais n'importe quoi! Mais j'en peux plus de toi! On va arrêter nos conneries, on va aller chercher le Subway, on passe chercher les glaces et on rentre. Et en rentrant, je vous tourne la vidéo au retour de course. Et après, on repart. Genre, ils respectent même pas mon vlog. Je vous reprends. C'est même pas qu'ils font pas le truc, c'est que le Subway il est fermé pour travaux. Elle est dépitée. Dépite. Sous dépite. Grégoire déteste quand je fais ça. Du coup j'adore encore plus. Je dépite. Moi je vais venir chez toi pour le dépiter. Mais du coup j'essaie de la consoler en lui proposant un McDo. Mais du coup là on essaie de trouver une combine pour faire pour ce qu'on a à faire. Enfants... Et surtout pour pas que les enfants se sentent lésés. Pour reprendre l'expression d'un certain Grégoire. Ou si mon frère. Ça va. Ça va pas du tout là. Genre, je suis posée en mode, hé frère, j'ai ma parésie, ma petite robe pin-up. Bref. Ça va pas du tout. Faut vraiment que je rentre me changer. Et en plus, j'ai fait des traces dans ma voiture. Et en plus, j'ai fait des traces dans sa voiture. Non, je sais qu'elle est pas propre. C'est quoi, ma vibe? Merci. Bon, bref. On va dire des conneries. Du coup, on va au Noz chercher les glaces et on aura pas notre putain de Subway.
Bon, bref, on vous montre de toute façon. Voilà. Ah non, par une journée, tu peut-être. Hein. Ah non. On est comme My Little Pony. On a le pressentiment de la chose qui va se passer, mais on sait pas quoi. Oh, oui. Mais on sait qu'il va se passer un truc. Yes. Mais oui, parce que dans la vraie, dans la vie, on est des poneys. Yes. Regardez, je brille. Bref, je vous laisse là. Allez, à toutes. Recoucou, on se retrouve. Il est 14h. Ouais. Oui, c'est ça. Et du coup, bah, on n'a pas mangé parce que. Et on n'a pas été chercher les glaces non plus parce qu'on a zappé la sortie. Oui, parce que je me suis trompée. Au rond-point, je suis allée tout droit au lieu de tourner à gauche et il n'y avait pas moyen de faire demi-tour après. Donc on a dit, bah, c'est pas grave, on y pensera peut-être ce soir. Voilà, mais c'est pas urgent de toute façon. Et du coup, je vous retrouve avec une autre wig et une autre tenue, hein, comme je vous avais dit, parce qu'il fait super chaud. Ah, mais... Merci. Et du coup, on sort. On sort du coup toutes les deux, ça va nous faire bien de se retrouver juste toutes les deux là. Vraiment, toutes les deux. Au calme. Enfin, il y a moi donc c'est pas calme, mais. Oui. Voilà. Du coup, je me suis changée, c'est Millie qui m'a aidé à trouver ma tenue pour pas que ça fasse trop. J'essaierai de demander. Bah, on va y arriver. J'essaierai de demander à Millie de la filmer, ma tenue en entière, si on y arrive. Si on je suis pas sûre de. Si on prend d'avoir le temps. Envie de pouvoir te faire ça, tu vois. Bah, je le ferai dans le miroir en rentrant ce soir avec les taches du miroir. Elle est cool celle-là. Et bref, du coup, on va sortir. On va s'acheter nos décorations d'automne. Ça, c'est. Déjà, on va manger. Et on va manger. Parce que là, j'ai mon estomac qui est en train de décéder. Moi aussi, mais je sais pas ce qu'on va manger encore. On va pas. Je sais pas. Mais j'ai faim. Donc, on va voir. Ça va se finir en fast food, les gars, à mon avis. Mais voilà. Bref. Des chances. Du coup, de toute façon, je vous emmène. Et je vous laisse là. Et je vous fais des bisous. Et je vous dis à tout à l'heure. Bisous. Bah, voilà. On a échoué ici. Finalement, McDo. Voilà, du coup je vais vous montrer mon petit repas et je suis de midi mais il arrive et bon, on m'a déjà servi le mien, c'est pour ça. Du coup, voilà. Retour des snaps. Bon, du coup voilà, mes petites frites croque McDo sans jambon comme d'hab. Et là en dessert j'ai pris un Babybel bio parce que sinon vous savez il y a des petites yaourts à boire et tout que je bois pas et tout, donc bah, j'étais contente. Une glace que je partagerai avec Millie, pour ça il n'y a pas de nappage, comme ça il n'y a pas de noisettes ni rien, et Kit Kat. Un thé iced tea green et une peluche beaucoup trop kiki. Regardez-moi ses yeux roses à paillettes là, c'est trop une bad bitch, on va l'appeler Lola. Et du coup, elle a pris des frites, Big Mac, nuggets, sauce. Miami. On est en train de se perdre dans un magasin de jouets. Se perdre, genre il y a un petit truc Harry Potter. Oui, mais ça vaut plus, là il y a des jeux. Le Cluedo que j'ai, le trivial qu'elle a. Et il y a des poupées. Il y a Hermione et Harry. Mais il n'y a pas Ron. Je suis déçue, genre c'est mon préf, Ron. J'aime trop quand on se trimballe comme ça. Oui, mais moi ça me dit pas si c'est des. Coucou! Il est 17h. Ok, il y a un feu rouge. C'est pour ça qu'on freine. Ne paniquez pas. Du coup, on a fait. Des magasins, bien joué, félicitations. Bref, on a trouvé quelques trucs sympathiques et là on va dans le centre de Montard parce qu'on était amis. Oh putain, c'est horrible, quand j'ai une wig, je suis en train de me tripatouiller les faux cheveux. Voilà. Du coup, là on va dans le centre de Montargis. Je pense qu'on va passer. Attends, mais c'est ma frange qui me stresse. On va passer. Mais ta frange, elle te stresse depuis que tu as mis la perruque. Oui, on va passer, je pense, à Bergamote, ça va, le salon de thé. Pour voir, là, je vais voir si ça avait des infusions ou des thés sympas. Et bah, je sais pas en fait, on va se promener quoi. Ah si, j'ai le chinois pour les chaussures. Non. Oui, mais en face, il y a le coffee shop. Certes. Voilà. Bref, on va faire un petit tour et on vous emmène. Et après, comme ça, on rentre, on va essayer de pas rentrer trop tard. Et comme ça, on va profiter de tester un nouveau jeu de société, par exemple. Oui. Avec une petite bière fraîche là, parce qu'il fait trop froid, il fait trop chaud et j'ai besoin de plus froid, c'est plus clair comme ça. Je sais pas si vous m'entendez bien parce que des fois ça bug et vous m'entendez pas et ça me saoule. Genre. Bref. Et écoutez, voilà, c'est tout. De toute façon, on va vous montrer nos petits achats, ça se touche un certain. Donc voilà, écoutez. Bisous! Thank you.
coup, on est rentré, on a couché les enfants et là on va manger un petit truc. Du coup, moi j'ai pris une petite despé, Millie une grime, fruit des bois comme d'hab la base. Juste derrière là, voilà. Et là j'ai mon doudou d'amour. Je vous montre pas plus bas parce qu'il est pas très habillé. Il est pas nu non plus. Hein. De toute façon, vous l'avez déjà vu en caleçon, genre en train de faire du sport. Mais... Et puis ça, après, dormir dans... en fœtus dans le canapé. Yeah. Ah, trop mignon. Bref, du coup, on va aller manger. J'ai mis ma petite robe de nuit là, comme ça. Et après, on va sûrement faire une vidéo avec Millie. C'est rien, c'est Paul qui casse tous les meubles. J'ai de la rien maison. Fait. Regardez, démonstration. Il est tombé tout seul. Il a pété le meuble. Et il dit, c'est... il dit la rien. Fait. Pas, c'était moi. C'est vrai. En fait, la truc qui se fait tout le temps. Et du coup, on va aller coucher les enfants. On y retourne. On va manger. Je vous montre ça. À toutes. Bon. Au début du mois et tout, avec Lulu, quand elle était en vacances, on a vu qu'il y avait des petits chatons qui étaient nés. Et le problème, c'est qu'ils sont dehors. Du coup, là, j'ai vu qu'ils fouillaient dans le compost pour manger dans nos déchets. Du coup, on leur a mis une petite gamelle à disposition. Et il y en a un qui est venu. Et il est trop beau. Voilà. Et il n'a pas de maison, en fait. Donc, du coup, bah, on lui a mis une petite gamelle. Il y a leur mère pas loin. Et il y avait 3 bébés. Donc là, on va le laisser manger un petit peu, mais voilà. Recoucou, guys. Je viens de m'effondrer là, allongée dans le box. Genre j'ai mis à côté de moi. On vient de finir de tourner le hall d'automne. Oui, vous voyez mon cul, c'est pas grave. Je suis claquée. En fait, je crois que c'est parce que si je suis débile comme ça, c'est la wig qui pressionne mon cerveau, tu vois. Je vois très bien ce que tu veux dire, parce que moi j'avais mal au crâne tout l'après-midi au point d'avoir envie de me taper la tête contre un mur en espérant que ça libère de l'espace pour mon cerveau. J'avais mais vraiment le cerveau gonflé. J'ai un rendu compte par contre que cette wig va trop bien avec ce pull. Oui. Ah, ça fait trop ressentir mes yeux. En plus, ça fait ressentir grave mes yeux verts, les cheveux noirs. Ouais. Bref, bah, surtout avec les cheveux. On s'en fiche. Du coup, je suis avec Millie là. Au moins, la lumière est bonne dans. Pardonnez-moi pour ma tête de cadavre. La lumière est bonne dans le vlog, franchement, là, grâce à la ring light. Hein. De quoi? Grâce à. Au moins, la lumière est bonne, c'est déjà ça. Ouais. Je fais de la merde, genre, je me suis pris pour Zoolander. Est-ce que vous avez la ref? Vous connaissez Zoolander? Dites-le moi. Genre, j'adore ce film. Je sais pas ce que c'est. Bref, c'est un film avec Ben Stiller, j'adore. C'est très con, tu n'aimerais pas du tout. Je te fais confiance là-dessus. Ah oui, non, tu n'aimerais vraiment pas du tout. C'est un humour très très con. Si vous connaissez Zoolander, vous savez à quel point c'est con. Moi, j'adore Ben Stiller et Owen Wilson, du coup, j'adore ce film. Ah, je déteste Owen Wilson. Voilà, je sais, c'est pour ça que. Ah, je hais cet acteur, putain. Voilà. Il me gonfle au plus haut point. Je vois sa tête, même en bas, il est dans tout le film. J'ai envie de le tarter, mais il est une puissance. Vous n'imaginez pas. Il est dans tous les films. Et moi, je l'adore. En plus, il fait la pub Oreo. Genre, les Oreos, quoi. Bref, non, mais Ben Stiller. Ah, mais oui. Oui, Ben vrai, Stiller, c'est vraiment mon acteur fav, enfin, un de mes acteurs américains fav de comédie, vraiment. Et bref, du coup, voilà. Nous, là, du coup, on a fini de tourner on ça. On est claqué. Je vais tout rebalancer dans le sac, je pense. Je rangerai demain, clairement. Et je pense qu'on va pas tarder. On va pas faire mon feu parce qu'après, moi, demain, je me lève pour pouvoir refaire. Je vais me débarrasser de cette wig. Et voilà, les gars. Coucou, il est 7h45 du matin et on est vendredi matin, je vais y arriver. Je suis désolée, je suis fatiguée. Je me suis couchée hier à 2h à peu près. Réveillée à 7h. J'ai remis mon pull de l'amour de l'automne là. Coucou, il est 8h40. Du coup, c'est parti pour une petite session de montage. Je me suis pris des petits raisins comme ça à grignoter. Voilà. Et après, je prendrai mon petit déjeuner avec Millie tout à l'heure. Tézé lui regarde un petit peu de Choupi parce qu'elle fait partie de l'école et du coup, bah, il peut regarder son dessin animé à lui. Il est adorable, il est en train de tétouiller son pouce et de s'endormir encore. Parce que bah, il était réveillé plus tôt que d'habitude. Et Orphée ce matin avait pas très envie d'aller à l'école. Une fois arrivé là-bas, il me disait non, tu vas me manquer, je veux rester avec toi, c'était trop mignon. Mais il a fini par y aller et m'a dit tu viens me chercher tout à l'heure. Donc il fallait le recharger tout à l'heure bien évidemment, mais voilà. Je vais faire mon montage et je vous continue de vous emmener avec moi. Regardez, il est revenu ce matin. On va goûter la Arizona Lemonade with fruit juice et honey. C'était beau, quoi. Magnifique. Enfin, on va goûter ça. On va vous dire ce qu'on pense. Allez, dégustation en live. Un petit chin. Dans des verres à pied, bien sûr. Sinon, ce serait pas des bad bitch. Et c'est bon. En fait, c'est une citronnade. C'est ça. C'est une citronnade avec le miel, c'est doux, mais on sent pas forcément le goût du miel super fort, je trouve. Ouais, moi, j'aime bien. Hein? Bah ça se boit facilement, ça reste sucré, bah c'est, en même temps c'est du Arizona. Et Arizona c'est toujours sucré. De toute façon, regarde, c'est marqué refreshing drink with 10% de fruits.
content with sugar and sweetener. Genre vraiment, genre douceur, sugar. Excusez-moi pour mon anglais, j'aime trop faire de la merde quand je parle anglais. Je ne trouve pas les français. Ah si, eau, jus de fruits à base de concentré, citron et poire. Ok, ils sont pas la poire du tout. Sucre plus miel plus édulcorant. Oui, mais ils voulaient vraiment que ce soit sucré, hein, c'est tout. Ils voulaient pas que ce soit acide. C'est pas acide. Hein. Oh là, peut-être que je me tape. Regardez mes cheveux. Avec, regarde ce que ça fait avec la décolo. Oh, c'est beau. Oh, c'est magnifique. Je pense qu'il faut que je les redécolore là, parce que là, ça a poussé. Je vous reprends, il est 15h20, Millie est partie et il me reste une heure avant d'aller chercher Orphée. Et du coup ce soir j'ai Emeline qui vient avec son chéri boire l'apéritif et faire un jeu de société peut-être, tout ça, genre proposerait le jus du cul je pense. Et on joue du coup, je sais pas comment vous dites mais moi je trouve que c'est plus drôle le jus du cul. Bref. Et du coup Thésée s'est endormi, il fait la sieste, donc il me reste une heure pour faire le ménage et ranger ma petite maison. C'est plutôt cool, je vais vous montrer, j'ai commencé à installer un peu les décos d'automne, un peu comme ça, j'aime trop. Il me reste là du coup à ranger ma papeterie et le salon, ramasser les jouets des enfants, passer un coup d'aspirateur, vider le lave-vaisselle, ranger la vaisselle propre et faire le linge. Voilà. Donc pas tant de choses que ça. En une heure c'est faisable largement. Je vais mettre un peu de musique, je vais m'occuper de ça. Et mon retour de course est en train de se mettre en ligne pour ce soir. Il devrait être en ligne à l'heure. Et ça c'est quand même une chose rare. Bon, du coup j'ai commencé un petit peu à poser les décos comme ça. J'aime bien. Coucou, je reprends le vlog, il est 20h, j'ai préparé pas mal de petits feuilletés, des pancakes et tout. Parce que du coup il y a Emeline et son chéri qui viennent boire un petit apéritif et faire un jeu de société potentiellement, je crois que je l'ai déjà dit mais voilà. Orphée et Thésée, j'ai ouvert la maison pour aérer parce qu'il faisait super chaud avec les fours et tout. Du coup j'ai accroché les chats et Orphée et Thésée profitent de jouer devant un petit peu à la trottinette au tracteur, ils sont trop mignons. Et du coup bah, moi j'attends l'arrivée d'Emeline et de Guillaume, je vais chercher le nom, et de Doudou. Failli roter, wesh. Et du coup, voilà. Écoutez, j'attends ça tranquillement. J'ai tout fini. Je suis trop contente. J'ai mis ma nouvelle jupe. J'ai mis mes rockiner shoes. Genre un look qui n'a aucun sens, mais je suis trop contente. Et voilà. Et ça commence à faire un peu crête. Hein, je suis contente. Voilà. C'est pas fou, les garçons? T'es un papa? Coucou les cupcakes, on est le samedi matin, il est 11h40, j'ai la tête, je me suis couchée à 6h du matin, explication, Orphée a fait des cauchemars toute la nuit, et du coup à chaque fois que je voulais monter, bah, il pleurait et tout, donc j'allais le voir, le bercer, tout ça, tout ça, et à peu près à 5h45, il a réussi à s'endormir, j'ai pu sortir de sa chambre et monter, et du coup bah, j'attendais un petit quart d'heure, voir qu'il se réveille pas, et je suis montée à 6h quoi, et du coup c'était assez compliqué de s'endormir. Et là du coup je voulais pas me lever mais bon, Doudou part au travail, il faut que je me lève pour être avec les enfants. Du coup je pense que je vais aller chill dans le canapé devant Disney+ ou Netflix. Tiens, ça fait longtemps que j'ai pas regardé RuPaul. Et je prends mon petit déj là, je me suis mis un petit bol de Mirabelle, deux petites tranches de pain à abricot noisette et un ficello. Et un grand verre d'eau. Parce qu'en plus j'ai encore mal à... dans le ventre, mais je sais pas vraiment ce que c'est là. J'ai mal en bas du ventre à gauche, ça me fait mal. Bref. La tarte aux pommes avec Thésée, donc j'ai changé de méthode, j'ai fait des cubes de pommes avec de la compote et je vais essayer de faire un quadrillage. Et il mange son dessert. Et regardez, petite bouille, il a une moustache de yaourt. La compote. On veut une compote. Bah, t'as déjà un yaourt à boire et un Kinder Pingoui, bébé. Bon, voilà, c'est ma première tarte qui fait vraiment tarte aux pommes d'automne de film. Tarte aux pommes ? C'est mon première fois que je fais un quadrillage, je suis plutôt contente. Bon, ça a un petit peu merdé à certains endroits, mais je trouve que ça plutôt joli. J'espère qu'à la cuisson, ça va être super. Ouais, coucou, je vous reprends, j'ai pris ma douche, c'est pourquoi il y a des restes de maquillage un petit peu approximatifs. J'irai me démaquiller après. Et surtout, je vais vous montrer la tarte du coup, que j'ai sortie du four tout à l'heure. Elle est trop belle. Je suis trop contente. Bref, je vais aller la prendre en photo. Et voilà. Je vous reprends, il est 20h et comme voir, je me suis tartine la gueule. J'ai un make-up d'inspi et moi encore, j'avais super envie. Et là, dans la voiture, il y a
Millie qui est calée entre les deux sièges avec les enfants. Parce que du coup, elle est venue parce qu'Orphée a été à l'hôpital parce qu'il a avalé un écrou. Il a joué sa moto en construction et il avait un boulon. Donc il est à l'hôpital et tout va bien, c'est dans les intestins, il va falloir surveiller que ça ressorte d'ici deux jours. Et là du coup on va chez Evelyne, j'ai pris ma tarte aux pommes et let's go, c'est parti quoi. Ça va, t'es bien calée? Oui, ça va. Ça va, elle a réussi à être calée. Bref, je vous laisse là. À toutes. Les cupcakes, on est le dimanche, il est 11h30 du matin, du midi. Je viens de me lever, j'ai enfin rattrapé mon sommeil, ça fait du bien. Doudou est déjà en bas avec les enfants, je vais aller voir pour prendre mon petit déjeuner du coup avec Millie. Et je vous emmène avec moi pour cette dernière journée de la semaine. Voilà. Voilà, du coup je me suis fait un petit déjeuner, je me suis fait une banane avec du yaourt soja sun à la vanille là. Des petits éclats d'Oreo que j'ai fait moi-même, de la framboise congelée, un café au lait avec le lait amande onctueuse. Je suis désolée, papa, là c'est chaleur, les enfants parlent et il y a Brooklyn Nine-Nine. Voilà, là Emily, elle est en train de faire du bijou et elle a mis tous ses crayons en arc-en-ciel, du coup je vous le montre parce que c'est joli. Enfin, tous, j'ai un nickel, j'ai mis les dessus. Oui, non, mais tous ceux que t'avais là. Qui tiennent tous dans cette trousse. Parfait. Et on a un doudou qui est en train de faire des jeux nuls. Qu'est-ce qu'il sert dessus? Ouais, jeux nuls. Attends, lèche. C'est au bon en plus. J'adore parce qu'elle a la bougie en plein milieu de la tronche. Re-coucou, il est 17h. J'allais dire 12, mais en fait derrière c'est marqué 16. Donc bah là il est 16, mais son téléphone est 12. On s'en fout. Et on est dans la chambre parce qu'en fait j'essaye de trouver une tenue. Donc j'ai un peu tout mis en vrac. Et vous avez ici même Millie, désespérée de moi. Oui, j'en peux plus. Je ne sais pas quoi mettre, j'ai pas de vêtements. C'est ça la solution. Et le pire, c'est qu'Anne, ses amis, vient de lui suggérer d'essayer tout, presque, pratiquement, et de prendre ce qui lui plaît sur le coup. Je fais, non, parce que d'ici là, moi, j'ai le temps de décéder sur ma chaise, concrètement. C'est pas faux. Non. Je sais pas, j'ai, oui, il est 17h et j'ai envie de m'habiller, ok, maintenant. Déjà. Ouais, parce que t'as un pote qui vient ce soir. Oui, mais même à l'habitude, je peux rester en pyjama. Mais là, j'ai envie de m'habiller et de me maquiller. Mais comment? Pourquoi? Je ne sais pas. Bon, je vous laisse, je vous reprendrai quand l'inspiration sera venue. À tout à l'heure. Aidez-moi! Recoucou, je vous reprends, il est au moins 20h. Il faut que je vous reprends, je reçois un snap, comme d'hab. Là, Doudou est dans le canapé en train de regarder Naruto. Millie, elle fait du bujo et tout ça, tout ça. Et les enfants sont couchés, enfin là du coup ils ont demandé à Tata Millie de leur chanter Meunier tu dors, parce que nous on l'a fait mais là ils voulaient Tata. Et du coup je suis en train de faire manger, j'ai fait des nouilles sautées et des champignons à la sauce soja. Et là du coup je vais me mettre un peu sur le montage, et voilà. Je vous reprends, il est je sais pas quelle heure mais avec Millie on s'est mis là devant un film, il est 23h. Donc moi j'ai mis des petites mirabelles et des raisins et en fait on s'est mis devant Astérix Obélix Mission Cléopâtre le film. Ça faisait longtemps qu'on voulait le revoir et j'ai réussi à le trouver en streaming donc elle est super contente. Voilà, et je le connais par cœur, mais c'est pas grave, genre il est trop bien. Et c'est marrant parce qu'elle aime pas du tout l'humour très con, mais ça elle adore, alors que c'est de l'humour à Alain Chabat, clairement. Oui, mais même moi, j'ai mes exceptions, voilà. C'est comme la règle. Voilà, bref, du coup on va se poser devant ça. Je pense que je vais clore le vlog là. Et genre, j'espère que vous avez passé une bonne semaine avec nous. Et du coup, on l'a fini encore avec Millie, en beauté. Voilà. Et du coup, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.